commence pas passer pour tout le monde qui sans abri. Fuck si moun y a l'école commence sous sac dans la rio. Fuck la justice là ta existe pour tout. Hey, salut tout le monde, encore bienvenue sur Méo Tech. Côté que jodi nous va parler un bagage qui bien spécifique, qui nous va parler des machines qui cap bouler l'huile en même temps tout l'huile a sorti dans sil arrière machine et puis tout dans sil devant machine. Nous parlons moto qui raison qui fait ça dans moteur là et comment capable stopper ça. Si qui au grand moteur dans mon que on préfère ou capable tout stopper lui pendant que on fait moteur là. Ou capable tout stopper ça pendant que on préfère moteur là jusqu'à ce que moteur là by limit et 200 000 malédjan complètement. Sous besoin fait ça que on va faire là, sous besoin qu'on est capable stopper l'huile machine, stopper bouler en même temps tout pour la sortir dans cilio, la sortir en bas et valve cave là ou bien en bas et au du moins et notre tête va avant la tête cilio là. Moi pas moto capable stopper l'huile bouler dans machine et puis tout, ma moto capable stopper l'huile là pas aller en dans cylinder yo en même temps tout pas aller sortir dans vavio entrer en dans cylindre dans système combustion. Nous pas moto comment capable faire ça. Il y a un bagage ou besoin, pas besoin plus bagage, ou besoin seulement un aiguiseur qui gagne et un cylindre aiguiseur qui s'allie lui-même, li ou besoin un drill. Ou besoin un aiguiseur cylindre et puis tu as besoin l'huile machine. C'est toujours même l'huile que vous utilisez pour faire moteur machine ou bien mettre dans machine, on va toujours utiliser l'huile là et puis tu as besoin paper towel ou du moins toile comme si under cylinder. Nous voyons tout comment on va faire ça. Avant que nous commencer, Jacques Weber pour under cylinder yo vraiment différent apparemment avec under cylinder. Pour under cylinder, il est vraiment soit on va passer mon livre vraiment glisser et soit et ben une raison qui permet les soit ça, c'est parce que et piston ça qui sort une tête piston qui c'est wing là bag piston li même qui frotte avec corps cylindre là parce que c'est lui même qui kebe piston an, pas touché avec corps cylindre là seulement en bas piston qui frotte avec en dans cylindre là et ben comment on capable kebe courant en l'air ben courant en l'air qui c'est lui même qui c'est bagyo qui kebe en l'air avec et corps cylindre là dans piston nous devons parler de piston mais en bas piston qui c'est jupon piston li pilage qui couronne piston. Dans piston il relait ça tête li relait le couronne en bas li relait jupon. C'est comme on wa souvent gagne un couronne dans tête li et puis tout souvent qu'on mettait un robe ou du moins relait ça jupon et puis tout ça même c'est bag couronne qui sous tête li. Ça c'est pour compression, hein, deuxième compression et puis tout troisième là, li c'est pour et l'huile. Contrôler l'huile en dans cylindre là. Et ben nous va parler de ça. Automatiquement nous gagne un piston qui déjà en dans cylindre là. Lorsque je vire le moteur, je vais piston monter et descendre. À chaque fois que le moteur a fait révolution, il monte et il descend. Eh bien, le piston, ça lui-même qui est dans le moteur, la tête piston là, qui se couronne, il n'est pas touché avec le corps piston, le cylindre. C'est seulement en bas. C'est seulement en bas piston qui c'est jupon qui collé avec corps cylindre et puis tout bagyo lui-même ça bagal fait lui-même bagla kembe en l'air il permet compression lorsque tu bois entre l'air dans machine bien l'air qui sorti en dans intake là entre dans moteur là et ben il permet l'air là pas passer à l'en bas et ben c'est une façon besoin qu'on ait pour qu'on ait qui genre le loup a bouler fait bouler parce que l'autre garder dans bag dans bag et piston yo c'est ça qui en bas qui c'est troisième là contrôle et bag contrôle le là qui c'est troisième ce n'est pas focus CPU pour qui c'est parti ça qui c'est un c'est bag ça li sale mais quand même contrôlé ça c'est deuxième ça c'est troisième là regardez piston ça regardez ça c'est jupon ça c'est couronne ça c'est premier bag là compression deuxième bague compression troisième dans les mêmes et ça m'a joué là et c'est contrôle l'huile dans les mêmes sur ça qui passe lorsque piston descend en bas dans cylinder ça veut dire bottom dead center ça veut dire que piston en bas lorsque la monte au l'huile TDC tap dead center ça veut dire piston en l'air ça veut dire TDC tap dead center piston en l'air les mêmes li sous compression deuxième là parce que ça li rale les descend
et puis tout lorsque la monte, les compressions, explosion fait boum, piston descend, ça c'est le power pendant descend, et puis tout pendant fin fait power pendant la monte, il tout jeter, ça que les fin créer énergie là, il tout jeter la fumée, c'est ça fait que ou gars la fin parce que et gaz là avec compression puis ignition ou bien dit bougie en passé et mais ou jeter l'idée. On nous fait ça encore, bah dans tête sénère, moi aller là, me descend ni. Moi aller là, me descend et puis tout me compresser. Boom, explosion fait piston et timing là qu'on est côté piston et puis tout passer ignition là qui c'est bougie. Boom, explosion fait, il descend. Pour la monter. Il fait une créer puissance libre dans la montée, il jeter le là dehors. Et ben pendant que piston lui-même il fait explosion, il descend en peine explosion passer dans bagyo. Yo passe dans bagyo là. Yo passe dans bagyo, dans petit trou bagyo là. Côté l'autre partie, hein? Parce que deuxième nom, tu tout ça, et puis le troisième nom, après lui, partie ça. En peine en compression, passe dans le trou bagyo. Et puis tu vas descendre dans le réservoir l'huile là, qui en bas dans le crankshaft là. Ou après le crankshaft là, viré là. Voilà. Et mais ça qui passe, qui fait bouler l'huile là, automatiquement, bagyo, c'est même qui frotte avec et corsé le nom, contrôle l'huile là lui-même, ça qu'il fait. Lorsque le crankshaft là a viré, avec piston et tout, frottement en bas avec chafflant, il fait frottement avec réservoir l'huile là, il prend l'huile là, le voit en dans cylindre comme ça. Vous voyez, il monte, il voit l'huile là en dans cylindre. Automatiquement, il voit l'huile là en dans cylindre. Et bien, lorsque le bag là descend, il est supposé graisser, après il finit de graisser le cylindre, il est supposé étoyer cylindre là, et puis il voit l'huile là jeter encore. Et bien, ça passe. Lorsque il voit l'huile là entrer, et bien, le bag là lui-même n'est pas fait frottement avec. Consile bien et puis tu crasse l'huile était là avec une bonne quantité il tout boule ça fait je n'a fumé noir dans mon flamme machine depuis la fumé tout noir dans mon flamme machine connait ou boule l'huile dans cylindre quand même ou boule l'huile dans cylindre ou dit mais quelle autre façon que ou connait que ou boule l'huile dans cylindre et ben c'est dans tête cylindre son besoin monter nous ça bien pendant piston là a viré quand chaf a viré il toucher l'huile là pendant le toucher l'huile là tout voir l'huile là jeter il tout voir l'huile là jeter frotter avec cylindre pendant explosion en fait crasse l'huile qui là boule ça fait pas falloir retirer et tête cylindre qu'on jeune en pile crasse était là et ça passé et ben le là boule là et ben c'est bag là contrôle l'huile là qui souvent fini et si que ou changer bag l'huile là ou changer compression ou pas faire ça que moi le montre ou faire là après 2-3 jours encore ou jeune la fumée dans moteur machine automatiquement fin faire ou fin faire moteur là. On garantit ou ça que moi moto là sous pas faire ou joindre l'huile à tomber en dans moteur là ou mettre un nouveau bag dans piston ou joindre l'huile qui rentre dans moteur là quand même parce que faut bag là faire friction avec corps cylindre pour jeter l'huile là tourner encore s'il pas jeter l'huile là l'huile prêter en dans cylindre lorsque explosion fait la bouler encore et puis tout que l'autre moyen encore l'huile bouler non pas le moto que l'autre moyen encore l'huile bouler encore l'autre moyen l'huile bouler dans machine nous c'est lorsque c'est lorsque il gain l'huile qui chita dans tête cylindre ça c'est tête cylindre l'huile envahit tête cylindre et c'est comme si on côté qui inondé l'huile là monter là et puis tout gain un cil qui passe dans mi-temps valve là ou après cil là ou côté petit couronne cil là en dans valve là ça il est valve steam et puis tout valve sit so regarder en dans là va ou après en dans là pour valve la chita on focus ici pour ou après valve la chita là et mais ça qui passe ça c'est intake et puis tout par dehors c'est exhaust on nous garder là pour nous gain exhaust et puis tout intake exhaust so ça qui passe lorsque si, gain l'huile là et puis tout moteur là piston après les gars après les l'air entrer en dans moteur là pendant lui compresser l'air là boum l'air passe dans mitan bagyo jan kente moto la tombe en dedans réservoir l'huile là et mais ça qui passe l'air là li vinn compresser là sous tête cylindre parce que et retour l'huile là gen passage en tête cylindre retour l'huile là al tombe en dedans réservoir l'huile là encore ça qui passe ou vinn gen compression sous tête moteur là sous tête cylindre et puis tout l'huile li même forcer entrer en dedans sil ça en dedans sil ça moto là forcer entrer en dedans sil ça et mais qui passer en dedans intake là
pendant qu'elle passe entre en dedans pendant que valve là ouvert il tout jeter en dans cylindre là il tout jeter en dans cylindre là plutôt le loi bouler là ça c'est deuxième côté le bouler il passe en dedans intéclan à cause s'il ça à cause piston créer un vacuum pendant qu'elle a râler l'air là descend et mais comme gain l'huile là et mais pour ça que l'huile là pas tout passer dans celle ça et mais tout passer forcer le passer dans celle ça et puis tout li al entrant dans valve là li tomber en dedans cylindre et puis tout l'huile bouler ça c'est deuxième façon nous va parler troisième façon de le bouler c'est toujours même principe là dans ex système exhaust son côté valve qui ouvert pour la fumée en descendant et mais ça qui passer l'huile forcer passer là et puis tout lui sortir en dedans et lui sortir dans mon fleur là il sorti dans mon frère à cause mon frère là chaud il tout bouler le là-dedans encore l'huile passer là dans intéclan intec signifie c'est entrer l'air entrer il ouvert valve là et tout tomber en dedans tête cylindre là il tomber en dedans cylindre là et puis tout il bouler là et puis tout de troisième côté il passer dans valve exhaust côté qui la fumée passer hein parce que faut que ça descende pour ouvrir pour la fumée passer et ben à cause gain compression sous tête et si le nan à cause piston lorsqu'elle fait explosion l'air entre en dedans elle tombe dans réservoir le lambe l'air là passe elle vient monter sous tête et si le nan et tout le force et si le nan ouvert et puis tout l'huile là passe là bouler dans mon frère là et mais souvent capable boire et mon et côté manifold là qu'on gagne l'huile qui a boule là automatiquement on est on boule l'huile toujours faire ce que pour garder est-ce que côté mon fleur là regarder si pas gain crasse l'huile là soit gain crasse l'huile là qu'on est et pas gain l'autre côté l'huile là boule dans valve et exhaust yo et puis tout dans valve et mon fleur yo dans sous tête cylindre si la boule dans intéclan lorsque vous retirez valve cavalon après dans intéclan après bouda et valve là tout noir depuis le bout de la valve tout noir, connecté la boule li dans intéclan. Ça c'est troisième partie hein? Et l'autre partie qui fait l'huile bouler, c'est valve cover. Gen un bagage sur valve cover là qui est le PVC. Ça c'est valve cover. Ça c'est valve cover. Ça c'est côté que vous mettez l'huile là dans valve cover là. Dans valve cover là, vous mettez l'huile, gen un petit tube qui est le PVC là lui-même. Ça lui fait lui-même Wally, c'est lorsque piston crée puissance. Les moté, les compressé, boum. Pendant que les compressé, il y a bougie passé, explosion fait, l'air tout passé là-dedans. Là, il tombe dans le réservoir, l'huile là. En même temps, pendant que le chaff la viré, la voie l'huile dans le corsé, pendant que la boule là tout lui-même. Et puis tout PVC, va là lui-même, il est supposé. Ça le fait lorsque il y a une compression qui gagne dans la tête valve couverture là. Et bien lui-même, ça le fait, il voulait le jeter. Dans l'atmosphère, dans la machine ancienne, qui n'a pas de technologie là-dedans, vous te mettez un tube là, vous trouvez en bas moteur, en bas corps moteur là, ça fait parfois qu'on a pour le moteur là, marcher ou un goût la fin qui descend en bas moteur là, dans la machine ancienne. Et mais qu'on y a, à cause de l'air, ça cap sorti en dans moteur là, al sorti de yon, pas bon pour santé moun, et bien nous mettons un système qui est le PVC là, et puis tout ça le fait lui-même, lorsque le compresseur l'air là passe là, il vaut le tourner dans un teclan encore pour le bouler. Dans intéclan laisse ça encore il tourner aller dans trois de barian et tout vient tourner bouler là passer là bouler en dans moteur là et ben ce que gain l'huile si PV c'est ça lui-même il pas bon il plogué avec l'huile avec crasse et ben ça passer il permet il boucher l'air pas entrer dans intéclan pour bouler et vieux gaz qui passe au vieux l'huile là et ça vient passer lui-même il permet gon compression dans tête cylindre là en dans cylindre là et puis tout dans réservoir l'huile là automatiquement ça arrive quand ça passe ou gain compression moteur là passe compression peut-être parle et puis tout la voie l'air dans réservoir l'huile là et puis tout pendant que gain l'air en dans réservoir l'huile là passe moteur là la pomper l'air et mais ça passe côté l'huile là va passer la passer dans crankshaft là la passer dans crankshaft là qui dans sil derrière moteur là avec dans sil qui devant moteur là la passer là-dedans quand même automatiquement ouais lui la passer là qu'on est va vous ça les plugger ça veut dire qu'il y a une crasse faut qu'on retire valve cover retire étoile ou du moins acheter une mettez tout neuf acheter un valve cover mettez un tout neuf pour capable machine capable bouler gaz ou même pour pas jeter l'huile là et mais c'est quatrième six façon ça pour capable perdre l'huile dans machine ça lui même les plugger et puis tout gain compression en dans moteur là et puis tout lui passer par bag tête piston li descend dans réservoir l'huile pendant le sortir dans réservoir l'huile réservoir l'huile qui passage avec
tête silène là, et ben faut qu'il passe pour le sortir. Pour le sortir, c'est là, si ça plogue lui même PVC en plogue. Pour tube ou qu'on va gagner tube là qui tourne dans trois de barrière, et ben c'est qu'il est pas tourner dans trois de barrière pour venir bouler encore dans tête silène là, ça vient passer. Et ben si des machines qui dans crankshaft qui dans transmission là gagne l'huile, et ben sous gain clutch machine sont en manuel l'huile sous une cloche cloche soit mouillé, et ben ou pas gagner bon friction dans cloche, c'est qu'on soit grité, qu'on soit pas ca monter monde bien ou pas ca bien accélérer. Et puis tout devant pour les machines, après devant machine toujours pour jeter de cellule à terre. Et ben depuis ça pas gagner l'autre problème ou gain problème ça. Et puis tout l'autre plus gros problème gain piston mandé pour refait bagringon bag piston mandé pour changer tout neuf. Et puis tout l'autre bagage qui est plus important, même si vous achetez un tout neuf, vous achetez ça tout neuf, vous achetez ça tout neuf, vous avez toujours gain problème l'huile dans le futur qui va venir. Parce que faut qu'on fasse ça que vous allez faire. Et bien, vous allez commencer à montrer nous ça que pour nous capable de stopper. Même lorsque nous mettons un bag tout neuf dans tête piston, depuis nous pas faire ça que vous allez montrer nous là, monter machine, même si on monde qui te fait un boss qui te fait qui bien fait tout bagaille, mais de là faire ça que on va faire là, on va gagner problème encore dans futur là. On nous parti on va monter nous comment pour capable stopper l'huile passer dans rester dans cylindre et puis tout pour piston bouler li pendant que compression avec explosion en fait, nous pas veut l'huile entrer en dans cylindre même. Nous pas veut depuis automatiquement l'huile entrer dans cylindre la bouler, et ben piston ni même ni mode changer et puis tout nous tout changer et bag qui sous tête piston, et bien si nous changer bag qui sous tête piston nous pas fait travail que on va faire là, n'a gain problème encore. Et bien en nous partie là nous va montrer comment capable résoudre problème ça dans cylindre là. Et j'ai comme te dit non, si que besoin résoudre problème cylindre l'huile capote dans cylindre là ou qui dans piston yo, ou changer piston ou mettre piston tout neuf, ou changer compression, ou changer deuxième compression, changer bag et contrôle l'huile là, même le changer ça pas fait travail que on va montrer là, ou toujours bouler l'huile dans machine parce que faut qu'on ait friction entre friction. Faut qu'on ait friction entre friction avec cylindre pour permettre lorsque le moteur là pour la frotter on petit cal friction tout petit pour capable gagner dans moteur là dans cylindre pour piston capable bien marcher pour capable bonne friction. Et bien j'aime te parler de moteur, on a besoin l'huile l'huile moteur, on a besoin l'huile. Oui, mettez l'huile là dans mon et ça fait me dire besoin pas que tout aussi en dans cylindre là. Je vais tout prendre l'huile maintenant. Moi-même, toujours mettre gana même, ça fait ça parce que si le téléphone me sonne, je toujours prends appel. Ou du moins, si ma femme n'a pas même l'huile, parce que je souvent dit l'huile là, qu'on récupère le cancer, comme si tu as un cancer déjà, et puis tu as perdu l'huile, il est capable de faire cancer à ton assaut. Je vais toujours gana même pour bagarre ça. Vous mettez l'huile là dans mon comme ça, et vous passez dans la tête cylindre là. Ok? Vous passez dans la tête cylindre là, vous graissez la tête cylindre là, et vous mettez l'huile là bas, et puis tout prend. Drillou avec aiguiseur qui sont mots français, mais en anglais il y a le cylinder horn. Cylinder, et puis tu mettez H-O-N-E. Et puis tu prends drillou, vous mettez cylinder et aiguiseur en dedans. Vous faites comme si vous avez les doigts. Faites comme si vous avez les doigts. Ok, ça que vous faire, mettez les doigts avec cylinder, vous entrez, descendre pendant que vous avez pesé gâchette drillou. Ma entrée descend jusqu'à ce m'a fait ça 6 fois entrée descend m'a fait 1 2 3 4 5 6 m'a tout calé sorti. OK, m'a mettre li en dedans, m'a fait 1 2 3 4 5 6 m'a le sorti. Raison qui fait me faire ça, c'est juste une façon pour moi pas pédé kembeli trop parce que moi besoin un X. Soit garder en dedans cylindre ça côté moi fait déjà. On peut en dedans pour côté en dedans gion X croisé qui sorti en bas qui monte. Si vous regardez bien, vous pouvez aller. Et bien, nous pouvons faire dans le cylindre. Alors, soit pour que je la fasse belle, et vous appréciez les, et puis tout, vous avez un bel moteur qui a un bon compression, et puis tout, l'huile pas rentrer dans le cylindre. Ok? On est parti là. Right? On mette encore une flash, ok? Ouais, mettez les doigts, et tout le monde fait sûr que le cylindre crankshaft moi pas frappé parce que quand je suis random, je te mets les doigts, tu me fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très rapide, ok? Après, fais-le encore. Pour nous garder, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Et puis tout ça, nous faisons, mettre les deux là-bas, et puis tout nous scier en dedans, moteur là, et puis nous garder qui ça nous fait.
Est-ce qu'il est belle ou du moins non? Je connais ce qui me fait tellement slow ou du moins ce qui me fait trop intelligent rapide. Donc. Pour le moment, là, je me fais trop slow, je vais faire très rapide. Il n'y a pas un problème, on ne va pas frapper un rien, on ne va pas gravier un dans mon talent et pour ça le faire lui-même. Ok? Après, je fais encore. Je fais l'intelligent trop slow. Mettez l'huile loin en dans le cylindre. On va tout faire ratio. On va regarder plus bien. On va faire l'autre toit. Mais on a un X croisé. X croisé et puis tout pour lui faire une pyramide. Je vais essayer même parce que je vais mettre un drill là. Donc, je vais mettre encore. Nous allons driller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je ne suis pas capable. Là, je ne suis pas capable de faire bien. Je peux cabiner à taille, mais je ne peux pas utiliser parce que lui. Je vais mettre crasse, sortir rapide. Ouais, ouais, différence hein? Entre cylindre et cylindre ça. Avec cylindre ça, ouais. Des bagages différents. Ça soit. Ça soit, tant qu'on glace, ça a une petite friction là-dedans. Vous avez deux mains? Ou pas de deux mains? Vous avez deux mains? Ou pas de deux mains? Eh bien, on fait tout le reste comme ça. Nous partons encore, nous devons mettre l'huile là-dedans, graisser l'huile pour tout petit. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre les bagues tout neuf dans le piston. Dans la tête de piston, on va mettre tout ça dans la tête de piston. On va faire ça, ça a plus belle, man. Ça a plus belle. Plus belle. Je vais pire ça. Même pire mes parties là parce que ouais, X en pire bien, man. Ouais, ouais, X en pire bien. Parce que si vous ne faites pas ça, et vous avez un problème, puis devant, et toi, Eli, fais le clean. Ça me parle beaucoup en dans le moteur là. Comment ça paraît vraiment belle. On va regarder et le regarder pour elle vraiment belle là l'on passe de tout là dedans on sentit une friction et mais ça vient passer lorsque vous avez une friction ça vient passer bague là lui même il besoin côté pour faire friction bague là il y a un côté pour faire friction dans le moteur là mais s'il pas fait friction lorsqu'il lui vient passer là ça relève oil film dans qui ça le passer lui passer tout petit. L'irrité en dans le cylindre, ça ne va pas passer les boulets. Donc, ça c'est la meilleure façon pour stopper l'huile boulée dans votre machine. Lorsqu'on fait le moteur là, fais-le bien et achetez aiguiseur, cylindre aiguiseur là. Aiguiseur, comme ça, c'est en français, ouais, comme ça. Mais en anglais, c'est cylindre horn. Donc, au horn, et cylindre moteur là, et puis tout. Et vous mettez piston, étoile, faites ce que étoile pour ne pas crasser la donne, étoile, ça fait un esprit cabiatin, étoile, 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 puis vous mettez l'huile, mettez piston, bac dans le moteur, sautant dire là, ou changez valve cave là. Sauf que ça me dit, ou changez valve cave là, qui c'est là, puis tout dans le cylindre là, c'est qu'il y a un problème dans le cylindre qui c'est valve. C'est qu'il y a un problème, s'il qui n'est valve, vous mettez retirer spring yo. On met un nouveau seal et puis tout fait ou tout fait et valve seal le moteur là et puis tout au grinding et puis tout fait tout bagarre marche normal pas de problème le encore et puis tout changer et système et seal crankshaft qui derrière moteur là parce qu'on a besoin retirer transmission pour mettre et ça faut pas t'as besoin retirer transmission besoin tout fait tout bagarre pour parler non problème ça parce qu'on a retirer transmission et souvent ça compte pas le temps et puis tout et front seal qui devant pas de problème. Comme ça, on fait mettre le moteur là. On a une bonne friction. Le cylindre numéro 6 est plus belle. Le cylindre numéro 6 fait un peu plus belle. On a vu le moteur ça là sans aucun problème.
tout soi. Et m'a capable faire tout soi et vivre mon temps comme ça. Il va jamais foirer. Parce qu'on fait le bien, il y a une bonne friction, tout bagage marche normal. So, c'est ça que m'a dit de monter nous. Comment pour nous capable stopper l'huile dans monter nous. So, lorsque le moteur là compressé, ça c'est les râles là en descendre, il crée un vacuum et tout le compressé là, le valve fermé, il compresse le valve là, il compresse là. Boum, explosion fait, piston descend et fait ça les power. Il crée puissance et tout, il voit l'air là jeté dans mon flair là. Et mais ça passe si gain l'air qui passe entre corps cylindre avec piston là train dans réservoir le là, lorsque crankshaft là viré, il voit le là en dans cylindre là parce que ça c'est travail là. Pour voir l'huile dans le cylindre pour piston capable de graisser en dans le cylindre, et bien l'huile grasse qui était emboulée, et puis tout l'autre bagage qui passe l'air passe dans le bagage, descend dans le réservoir de l'huile, et bien l'huile vient passer sous tête. Le cylindre à travers le pochoir d'eau qui est là, lorsque le pochoir d'eau a monté et descend, et puis tout l'air passe là, il vient dans la tête cylindre. Pendant qu'il vient dans la tête cylindre, compression, l'huile et l'air qui est dans le réservoir de l'huile. Permettre l'air passer en dans valve là ni intercooler ni exhaust là yo passer en dans intercooler lorsque il ouvre pour entrer l'air en dans machine là il tombe dans cylindre li compli là la combustion et puis tout le fait explosion li boule le là. Troisième façon c'est que lorsque l'huile là passer dans valve et qui dans mon fleur là li voue jeter dans mon fleur là puis tout mon fleur là chaud li boule ou après ça dehors mon fleur là toujours être crasse le la boule là dans partie mon fleur là et ben quatrième façon qui va jeune l'huile à bouler et qui a perdu c'est dans cylindre à cause d'une compression dans moteur là et ben cylindre tout veut jeter et puis toute l'autre façon que on perdu l'huile qui va bouler l'huile dans moteur machine et façon qui puis commun c'est dans valve caveau valve PVC lui-même li kon bloqué avec crasse ko pa bon faut pas faire bon service dans machine nou li kon bloqué avec crasse et ben l'air pas ka sorti pour aller entrer dans nan barre thread yon nan barre nan toit de barre yon côté l'eau accélérer machine nan pour l'air entrer parce que ça le fait lui-même li voue l'air là li nettoyer l'air là cap sortant dans moteur là avec un petit filtre qui là li voue l'air dans toit de barre yon et puis tout l'air entrer là et ça faut qu'on ouais au besoin nettoyer toit de barre yon à cause crasse. Ça qu'on voit crasse li pas filtré elle cap sorti dans moteur là bien li voit crasse là dans barre toile là plutôt qu'on voit et valve côté et butterfly là et qu'on sale et plutôt li pas réglé bien lors désaccélérer machine là tout que la machine capé lors désaccélérer la machine mal à cause ça ou obligé toile avec spray carburateur et puis tout c'est ça qui souvent fait machine nous et bouler l'huile ou bien jeter l'huile. So, c'est ça qui est pour nous. Mais j'espère que nous apprécions cette vidéo. Elle est vraiment longue en pile, mais quand même, et me faire et capable stopper ça.